Salut, je veux seulement vous avertir que le début du texte est quand même assez sombre, mais si vous l'écoutez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir vous rendre compte que le message en est autrement. Ça va comme suit. Salut, comment ça va? Bien, vais-je dire, pour fuir, tout embarras. Je n'ai pas envie de raconter tous mes tracas, je préfère l'oubli à tout ce brouhaha. Je n'ai pas envie d'éterrer ces souvenirs. D'avoir le martyr, de porter ce menhir. Pourtant, quand la nuit arrive, que la solitude m'enivre, que mon cœur de givre chavire, vire et virevolte sa révolte, que mes idées noires gigotent, me menottent au fond de cette grotte, je grelotte au fond de ma grotte, je grelotte au fond de ma chiotte. Salut, comment ça va? Bien, vais-je dire, pour fuir tout embarras. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'au fond du salon, accroché solidement au plafond, une corde m'y attend, sans que personne n'y porte attention. On m'a sorti de mon idylle, exilé sur mon île. Ma vie n'est pas facile, elle ne tient qu'à un fil. J'ai l'habitude de me fondre au paysage, je me demande si quelqu'un se souviendra de mon visage. Pourtant, un petit point d'ancrage aurait pu faire une différence. Pourtant, un petit point d'ancrage aurait pu faire toute la différence. Dehors, il fait soleil. Pourtant, j'ai sommeil. Ma vision devient noire. Puis, je m'endors. Salut, comment ça va? Bien, maintenant que je ne suis plus là. Il y a des gens qui pensent ça. Parlez-en avant d'en arriver là. Prends pas la vie comme un jeu vidéo ou une partie de tennis. Tu peux pas fermer la console, peser sur 8-7, puis recommencer le 7. La vie est plus belle que tu le crois. Je te connais pas, mais moi, je crois en toi. Pas d'une confiance aveugle, mais j'ai la foi qu'un jour tu pourras dire, il était une fois. La foi que tu auras décidé de vivre, d'affronter tes défis, puis de raconter dans ton livre que maintenant, t'en es grandi. Puis qu'avec un peu de temps, puis un peu de sueur, tu vas créer ton petit bonheur. Même quand la vie apporte des anicroches, il y a toujours un moyen de se raccrocher. Puis si t'as besoin d'aide, décroche le tel. Appelle un ami, la famille, ou même un professionnel. Mais appelle. T'as juste besoin d'un peu de temps pour te rendre compte que la vie est belle. 1-866, appelle.